Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Et après un mois, me voici de retour dans l'épisode 7 de Subnautica. Ça a été... Oh mon Dieu, que ça a été un échec! En fait, j'ai été vraiment dégoûté. Très honnêtement, j'ai été super ultra dégoûté dans le dernier épisode parce que, en fait, l'enregistrement n'avait pas débuté. Et voilà, donc il me restait juste la facecam et j'avais décidé de faire une sortie de facecam édition et ça a été absolument un échec total. Donc, à ne plus jamais refaire. Et là, me voici de retour cette fois-ci avec du véritable gameplay enregistré. Ça record, tout est vérifié. Hein? Je ferai pas la même erreur deux fois, bordel. Donc, nous voici, on avait fait, je crois que c'était déjà fabriqué cette pièce pour pouvoir vous remettre au parfum de ce que vous n'avez pas vu. C'est cette fameuse aquarium gigantesque que j'ai fabriqué, que vous m'avez conseillé. J'ai mis plein d'animaux à l'intérieur, il y a encore des œufs ici qui vont pouvoir éclore. Et très honnêtement, je suis très fan de celui-ci parce que on peut trouver des œufs, je crois, d'à peu près tous les bestioles. Et ça fait des mini bestioles, regardez! J'ai des mini, vous savez, là, les trucs qui nous mangent et qui perdent des dents. Il y a des mini tigres, des mères comme ça. C'est excellent, bordel. J'adore ça. Donc, maintenant, on va pouvoir continuer, en fait, la progression. J'ai pas de message. J'avais dit que dans le dernier épisode, j'irais vérifier l'une des capsules de survie. Je me suis fait croquer le cul par un Leviathan. Et là, mes amis... Au moment où je vous parle, il serait vraiment temps. Je crois que c'est possible d'avoir un lit. Je suis pas sûr, mais on a eu une mise à jour, en fait. Ouais, je peux pas vraiment le savoir. Peut-être en ouvrant mon inventaire, en allant dans le log, peut-être, schéma. Je sais pas si la nuit approche. Non! T'es pas sérieux! Malgré tout ce que je vois... Non, attends! La nuit approche. Il devrait le dire avant qu'il fasse sup. C'est quoi ça? C'est une balayeuse? C'est un aspirateur? C'est... Hatching enzyme? The fuck is that? Bien, on s'est fait détruire notre Simot. Voilà, c'est ultra triste. Donc, je vais devoir m'en fabriquer un nouveau. Et pour en fabriquer un nouveau, ben justement, on va aller voir ce que ça prend. Parce que ça fait vraiment chier, on se l'est fait détruire par notre petit enculé de Leviathan du dernier épisode. Et ce que j'allais dire, il y a eu une mise à jour depuis qui s'appelle la Creature Update. Et dans cette mise à jour... Il y a des créatures redoutables. Il y a à peu près toutes les bestioles. Le Leviathan, il est tout petit à côté du dragon Leviathan, qui est absolument immense, gigantesque. Un peu comme ma bite. Qui fait peur, je sais pas à quel endroit on peut le trouver. Il y a des nouveaux biomes, des nouvelles bestioles qui vous téléportent à des nouveaux endroits qui font peur. Ça fait chier déjà que j'avais peur des Leviathans, je vais avoir encore plus peur. Plus que les updates avancent, et plus que je me rends compte que ce jeu... Ben, il est en train de devenir un jeu d'horreur. Honnêtement, c'est super cool, c'est un excellent jeu de survie, parce que bon, il faut que t'arrives à prendre assez... En fait, il commence à devenir de plus en plus un jeu de survie par excellence. Je veux dire, le nombre de trucs que tu dois fabriquer pour arriver à avancer, c'est absolument dément, et ça n'arrête pas d'augmenter avec les mises à jour. Sauf que là... Ils ajoutent des nouveaux endroits de plus en plus creux, avec des bestioles de plus en plus dangereuses. Et en plus, je suis sûr que les concepteurs ont fait exprès, parce que les Leviathans, ils ont pas résolu le problème, ils vous spawnent en pleine gueule. Alors je veux dire, t'es pas arrivé au loin comme ça, tu dis, ok, non, je vais retourner de bord et je vais m'en aller plus loin. Non, t'avances et... Paf! Il t'apparaît en pleine gueule comme ça, comme un bon gros screamer. Ça fait chier. Ça devient, je veux dire, plus en plus que je joue à ce jeu et plus en plus que j'ai peur. Bordel, ça va devenir mon Outlast. Mon Outlast, mais du jeu sous-marin. Déjà que j'ai peur des profondeurs de l'eau, ben bordel, t'imagines? Ça va me faire encore plus peur. Là, c'est comme deux peurs mélangées ensemble. Des grosses créatures, des screamers, et après... C'est quoi ça? Œufs des plateaux herbeux. Il y a des nouveaux sons aussi dans la nouvelle update, par exemple, quand que je cours.
on peut entendre en fait de l'équipement brassé sur moi et tout, c'est quand même plutôt cool. Et écoutez ça, quand une batterie charge, on n'entend presque plus rien. C'est vrai qu'avant c'était exagéré, c'était juste des batteries, tu mettais une batterie. On aurait dit, bordel de merde, que t'étais dans une centrale électrique de la NASA. Sauf que c'était juste une batterie qui chargeait. Ça, ça fait du bien. Wouh! Donc, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir fabriquer un autre CIMOT. Oh, oui! Bonjour, Gladys! Ça fait vraiment plaisir de te voir. Youhou! Yeah, baby! Attends, c'est beau, c'est nouveau, l'animation du volant comme ça. Il me semble qu'avant, ça bougeait pas. Ok, enfin, c'est pas grave. Donc là, on va aller stationner notre véhicule ici, ça fait vraiment plaisir, et on va aller voir ce que ça nous prend pour fabriquer une station d'amélioration. Je sais pourquoi je dois surtout aller explorer plus loin aujourd'hui. Il faut absolument que je trouve une station de traitement d'eau. Et si j'ai des couilles en béton aujourd'hui, je devrais aller dans le vaisseau. Je m'étais préparé 8 vidéos cette semaine et jusqu'à maintenant, ça va quand même plutôt bien. J'ai beaucoup aimé cette semaine qui était plus diversifiée en termes de vidéos parce que par moments, des fois, je me dis bordel, à toutes les semaines, je fais toujours la même chose et parfois, ça m'énerve. Donc, quand que je peux faire, par exemple, plus de jeux mobiles... Oh, fuck! Les trucs explosifs! Je suis tellement pas allé au bon endroit! Oh! Oh, la vache! Ok. Donc, quand que je peux faire justement plus de jeux différents, hein, pas des séries, parce qu'après ça, sinon, je me ramasse avec 2 millions de séries, et après, les gens, ils se disent « Mais bordel, Steel, pourquoi t'as arrêté cette série et tout? » Mais c'est parce que j'en ai 2 millions. J'arrive pas à avancer. Donc, en fait, en faisant juste des, comme ça, des petits jeux d'une seule épisode, bah moi, je trouve ça plutôt cool, et ça rajoute... beaucoup de vidéos divertissantes, différentes sur ma chaîne, et voilà, c'est j'aime beaucoup ça. Et, et justement, et quand t'en fais trop, ben, ça fait exactement comme ça arrive avec Somnotica, ça fait que tu fais un épisode par mois. Parce que justement, tu veux... C'est vrai que j'avais été dégoûté aussi du problème qui était arrivé. Sauf que là, en fait, ma semaine a été littéralement gâchée par... Je m'étais fait un couteau, une chance... NON! Ok. Ah! J'avais eu peur. Je croyais que je l'avais échappé à tout jamais. Il fait tellement noir. Donc, en fait, ma semaine a été gâchée parce que hier, j'étais... Ben, pas hier, en fait, on est vendredi. Ah ouais, jeudi. J'avais un rendez-vous à l'acupuncture parce que, honnêtement, ça m'aide énormément pour mes crises de panique. Et, ben voilà, ce qui est vraiment con, bordel, on voit tellement rien, c'est incroyable. Ce qui est vraiment con, c'est que, je sais pas, je me suis mal réveillé et j'étais très stressé, ça allait pas super bien, j'avais mal au ventre, mal au cœur et tout. Et quand je suis arrivé à l'acupuncture, en fait, je sais pas, on dirait que le stress a continué de m'envahir et je me suis battu contre mes crises de panique. Et malheureusement, je n'ai pas résister. Je me suis pris un activant, en fait. C'est les médicaments que je prends qui m'aident à réduire les crises de panique, en fait. Donc, du coup, ça peut permettre de passer à côté d'une crise de panique. Ce qui, je crois, est arrivé. Donc, j'ai vraiment réussi à m'en sortir. Parce que, oui, je me suis battu contre une crise, mais j'ai réussi à passer à côté grâce à l'activant. Mais vu que j'ai passé à côté, ben, l'activant en soi va beaucoup t'endormir, va beaucoup te relaxer. Et j'étais complètement crevé. J'ai dormi toute l'après-midi parce que ça m'a juste drainé. Après, j'ai voulu faire... j'ai sorti une vidéo que j'avais en backup. C'est la vidéo de Spooky House. Oh putain, j'avais... Il me semblait aussi que ça avançait pas vite. La vidéo de Spooky House. Et ensuite, ben voilà, on est aujourd'hui, sauf que j'ai redormi pratiquement une nuit complète. Je me suis réveillé en après-midi. C'est what the fuck? En deux jours, j'ai tellement dormi. Faut croire que mon corps en avait vraiment besoin. Bon, techniquement, je devrais avoir tout le nécessaire pour pouvoir faire la station de modification afin de... Pimp my ride! Yeah!
pouvoir mettre une couleur et tout à notre vaisseau, ça va être génial! Donc, allez! Normalement, ça devrait se trouver quelque part ici! Yeah! Attends, ça a changé de place, il me semble qu'avant c'était pas là! Ok, d'accord, on va foutre ça ici! J'ai aucune idée pourquoi je chante! Peut-être que je suis sponsorisé par Disney! Non, c'est totalement faux, je veux dire. Disney qui sponsorise une vidéo Subnautica, what the fuck? Simot Amaré. Ah, c'est en français, d'accord, wow. Donc, oh yeah baby! Alors, on va aller, comment ça fonctionne? Aha! Voilà, oh yeah! Donc, attends, oh, je vais pouvoir le mettre rouge comme ma chaîne YouTube. Ensuite, la deuxième ligne, on va évidemment la mettre noire, ça va tellement être beau. Alright, le nom, donc ça va être le... Attends, what? Arrête, Caps Lock, ça fait chier Caps Lock. Voilà, ça va être le Steel Moth. Voilà, c'est super original. J'ai tellement été chercher loin, oh my god. Si je fais Done... Il écrit tellement petit! C'est incroyable! Mais il faut dire qu'il est quand même vachement nice. Et même que je dois dire que la couleur ici à l'arrière, elle est jolie. Les lignes sont noires. Et je crois que c'est justement... Ils appellent ça des stripes. T'es sérieux, ça c'est pas des stripes, je veux dire. Ah, noir par contre, j'ai un... Ah ouais, j'ai un petit quelque chose pour... je vais juste le mettre légèrement gris, je crois que ça va être nice. Ça ici, de toute façon, c'est déjà noir, c'est cool. Et ça, c'est quoi ça? Ah, c'est l'intérieur! Oh, right! Attends, on pourrait peut-être, je sais pas, de quelle couleur qu'on pourrait se mettre l'intérieur. Peut-être un... Je sais pas. Faut dire que blanc, c'était classe. On va garder ça blanc. Voilà. Alright, baby! Et là, maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est essayer de trouver le nécessaire en termes de technologie pour pouvoir pimper notre Simot, pour pouvoir aller plus loin. Hello, bébé! Donc, j'ai été chercher ce qui... C'est trop simple. Ça prend juste du titane pour faire un renfort de coque. Donc, c'est vraiment... Voilà, et un circuit, juste un circuit intégré pour me faire un module d'efficacité énergétique. Donc, ça encore, ça va être super pour pouvoir se rendre encore plus loin, parce que notre Simot va juste consommer moins d'électricité. Alors, voilà pour toi, super. Et un renfort de coque pour éviter qu'il se détruise aussi facilement que la dernière fois, pour pas que je puisse en refabriquer à peu près 50 autres. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter ensuite? Ramasser équipement de laboratoire. C'est peut-être juste un objet de décoration que je peux foutre sur une table. Va savoir. Nom d'une bite de samouraï hawaïen. On a trouvé le biome des champignons avec les grands vers de terre. Mais il me reste 66 de respiration! Va falloir que j'y aille avec mon Simot. De toute façon, on s'écarte de la mission. Là, je voulais fabriquer, en fait, un module qui permet d'aller plus creux sous l'eau. Et j'ai juste besoin d'un de lingot de plastacier. En fait, c'est du lithium mélangé avec un lingot de ferraille, comme ça. Ah, de titane! Donc, j'étais en train de ramasser tout ça pour pouvoir fabriquer cette petite amélioration qui va être très utile. Ah! Ça coûte vraiment cher faire une balance de pression. Oh my god! Et j'ai juste à cause de ça, j'ai plus d'argent. Donc, je vais devoir, pas de l'argent, mais je veux dire de minerai d'argent. Je vais devoir aller chercher beaucoup d'argent pour pouvoir refaire mes coffres. Donc, on va mettre cette petite amélioration ici. Voilà. Oh, ok, d'accord. Et ça me dit au nombre de mètres que je peux aller. 300 mètres. C'est plutôt intéressant. Et donc, maintenant, on va voir ce que je peux faire d'autre. Oh my god! Je savais pas que sur la friteuse, on pouvait améliorer un module d'amélioration. Une balance de pression MK2. Donc ça prend la balance de pression, bien entendu. Deux lingots de plastacier. Bon, c'est quand même pas si mal. Ça prend juste beaucoup de titane, du cristal d'oxyde d'aluminium. Et encore un circuit intégré. Il y a juste le cristal d'oxyde. Est-ce que le cristal d'oxyde d'aluminium, c'est le truc que j'ai trouvé ici? Non, ça c'est de la magnétite. Et j'ai aucune idée comment qu'on réussit à trouver ça, mais c'est très bon à savoir. Il y a même le MK3 qu'on peut faire. Donc ça prend une balance de pression MK2, 3 lingots de plastacier.
Et encore un circuit intégré et un cristal d'oxyde encore une fois. Donc, c'est une très bonne chose à prendre en compte quand on va aller explorer à ramasser. Bon, on va prendre le dernier emplacement pour se faire un petit module de stockage. Voilà, et on va pouvoir amener quelques vivres avec nous, comme ça, si on s'en va trop loin, ben, je vais toujours avoir quelque chose à me mettre sous la dent ou à boire pour éviter de crever. Très utile. Il est où, mon module? Ah, ici, voilà. Pouf! Excellent! Et je crois que le coffre se trouve de l'autre côté. What? Il est rendu là, mais... C'est... Ok, d'accord. Ben, je dois dire que c'est quand même plutôt joli. Oh, quand même! Merde! Ça ajoute quand même beaucoup d'espace. Plutôt cool! Ok, voilà. On est prêt pour l'aventure. Alors, je me suis fait 4 poissons asséchés. Voilà. Donc, c'est parfait. Ça ne va pas pourrir dans notre coffre. On va pouvoir les oublier à cet endroit. Et... un kit de soins. N'est-ce pas le kit de départ de survie le plus complet? Et ça pourrait être plus, mais je veux dire, je crois que c'est idéal pour pouvoir partir à l'aventure. Maintenant, on est plein, on a des modules d'amélioration, c'est vraiment génial. J'ai voulu me faire un bouclier électrique aussi pour éloigner les Leviathan, mais malheureusement, ça prend une technologie que j'ai pas encore. Donc, j'imagine que je vais pouvoir trouver ça dans les biomes électriques. Ah, où est-ce que les bestioles qui vous font des espèces d'anguilles électriques comme ça qui font bien chier. Oh, regardez! Attends, tu déconnes, on les voit à distance maintenant, les Leviathans. Ben putain. Ok, alors, je vais essayer de m'éloigner très très loin. Je vais essayer de faire en sorte que le Leviathan ne me prenne pas comme ça par derrière, par surprise. Techniquement, tu peux pas venir me rejoindre ici. Je dis bien techniquement. Ah, ça reste un jeu. Mais c'est plutôt cool, on le voit maintenant à distance. Allô? Ça va bien? Il est acquis le beau Leviathan. Oui. Ok, donc je vais essayer de voir si dans ce petit biome, ici champignon, il ne resterait pas... Qu'est-ce que c'était que ça? The fuck is that? C'est eux qui font ce bruit-là? Ce serait nouveau? On dirait que oui. Merde. C'est intense. Okay, on va continuer d'essayer d'explorer. Qu'est-ce que c'est que ce biome? Je me rappelle pas avoir vu ça. Quel genre de créature? Ah, c'est le biome. Je crois que c'est le biome où on peut trouver de l'argent en masse. Ça, c'est plutôt chouette. Mais je vais quand même retourner ici, voir si je pourrais pas trouver des fragments qui pourraient être utiles à la fabrication de nouvelles technologies. Oh, shit! Oh, shit! Oh, en parlant d'anguilles électriques, justement! Vous croyez que c'est... Merde. Il me suit? Est-ce qu'il veut m'attaquer? Ok. Peut-être que ce que j'avais besoin pour pouvoir me faire une protection... Oh merde, j'ai les piranhas qui m'attaquent, bordel! Ce qui veut clairement dire que je peux pas sortir en toute sécurité. Fuck! Et là j'entends un Leviathan! Merde! Mais de toute façon, je crois que lui pourrait faire une bouchée du Leviathan, hein? Un petit câlin comme ça, un beau petit free hug, et c'est terminé pour le Leviathan. Mais je dois dire que si j'aurais eu... Ça, c'est le bruit du Leviathan. Ça, c'est le bruit du Leviathan. Ça, c'est le bruit du Leviathan. D'accord, d'accord. J'aime mieux aller faire des câlins à celui qui fait de l'électricité ici. Oh, putain. Oh, merde, 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 merde. On va aller à la surface. C'est toujours moins dangereux. En fait, c'est comme dans un jeu d'horreur. Plus tu descends dans les sous-sols, plus ça fait peur. Bah, comme ça, en surface. Yippee! Je saute comme un dauphin. Je suis libre, libre. Bah, voilà. Donc, les Leviathans peuvent... très bien venu nous rejoindre ici, mais normalement, si je fais des petits jumps comme ça, yippie! Plouch, ça devrait être moins pire. Hein? Je veux dire, c'est plus joyeux, ça fait moins peur. Pas avec la musique qui commence, par contre. Ça, c'est moins agréable. J'aime pas la musique. J'aime pas la musique. Oh! Ok! On reste en surface comme ça! On reste en surface comme ça, comme la dernière fois! Et on s'en va dans la carcasse de vaisseau! La musique, elle est atroce! J'aime pas ça!
Allez, putain, Disney de retour. Quand je chante, je crois que ça me calme. C'est quoi, c'est rendu que vous vous mettez en plus de musique d'horreur? Vous commencez à faire chier, Team Somnotica. Ok, normalement, c'était ici qu'on entrait, qu'on pouvait s'amarrer pour pouvoir aller visiter le vaisseau. J'espère que ça a pas changé. Non, d'accord, ça a pas changé. C'est toujours la même chose. Oh yeah, baby! Yes! Allez! Grimpe! Grimpe avant que je me fasse croquer le cul! Yes! Woo! Oh! Ah! Fuck! Il y a des petits robots comme ça ici. Bon, allez, on va prendre ça. Oh, une batterie de capacité! Prends la batterie! Merci. Ok. Bon, on va continuer d'explorer s'il y a de la technologie. Oh, j'aurais pu en scanner un ici, génial. Mais je suis quand même heureux, j'ai pas fait face à un Léviathan. Donc, ça me soulage. Et maintenant, je crois qu'ils ont, depuis la dernière fois que j'ai été visiter ce vaisseau, je crois qu'ils ont changé, qu'ils ont fait des petites mises à jour, ce qui est quand même plutôt très très chouette. Bon. Donc, le chemin ne semble pas avoir changé. Si j'arrive à bien éviter ces petites créatures, ces petits crabes bien chants, ça devrait bien aller. Une bouteille d'eau, génial, ça fait plaisir. J'espère que je vais trouver un kit de soins parce que bientôt, ces espèces de petites tas de merde vont me faire bobo. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est quoi? Des piles? Oh merde, je trouve plein de piles partout, c'est génial! Donc ici, on l'avait déjà vu. Ça ici, qu'est-ce qu'on a? Une autre bouteille d'eau, génial! Ça va être parfait si on a soif pendant qu'on explore ça. Il y a des piles partout. C'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Ok. Ça va bien. On continue. On évite les crabes. Merde, il y a des crabes partout. Allez, chier, bordel. Si seulement je m'étais fait un fusil à stase, ça aurait été tellement plus simple. Kit de soins! Super! On va se débrouiller ça. On a notre petit couteau, voilà, hein? Le couteau de la muerte. On va faire des unboxings avec, direct dans Somnotica. Putain, ça explose de partout. On évite les crabes, like boss. Encore des bouteilles d'eau. Wouah! Ben c'est super cool, ces kits de survie. Une autre pile, autre capacité. Génial. Un autre kit de soins. Oh yeah, baby. Un autre kit de soins. Ne vous déconnez. Il faut que je revienne sur mes pas. Voilà, ici. Prendre ce kit d'instincteur, ouvrir mon inventaire, équiper l'instincteur en numéro 2, comme ça, et éteindre les feux qui sont ici. Voilà! Allez, éteignez-vous, mes petites flammes. Yeah, baby! On va pouvoir aider à la reconstruction de ce vaisseau, je voulais dire. Allez, super. Par contre, on commence déjà à manquer de fuel pour pouvoir éteindre ces flammes rigoureuses. On va continuer pareil, si ça peut aider. Ça fait plaisir. Fragment de canon à propulsion. Il me semble que j'ai jamais scanné ça. Ben voilà! On a un canon à propulsion! C'est quoi ça? Un PDA abandonné? Mais allez! Télécharger les données. Aurora Engineering Drone. User Log. Oh, fuck! J'ai pris tout le truc d'extinction pour éteindre des flammes absolument inutiles quand qu'à la base, c'était conçu pour traverser ces flammes ardentes qui nous amenaient à des technologies utiles. Je le vois d'ici, regardez ça, on aurait pu scanner ce tableau de bord. Attendez, j'ai beaucoup de kits de soins. Je vais traverser des flammes. Je vais traverser les flammes comme un pompier qui est absolument brave, qui a... Attention! Ça fait mal, mais j'ai traversé. Ok, super. Donc, bureau déjà connu, j'ai pas besoin. La poubelle! Je peux... What the fuck? On peut avoir une poubelle? De quoi ça sert? J'imagine acheter des trucs qu'on n'a pas besoin, mais quand même. Donc, ça vient avec les débris, c'est super cool. Oh, on a un poster ici. Génial. Attends, pourquoi? Ah, il faut que je le ramasse avec le clic gauche. D'accord, un autre PDA abandonné. Allez, on ramasse ça. Je trouve ça intense avec les vibrations et tout. Vite, scanne-moi ça. Attends. Qu'est-ce que ça fait? Altera lance l'Aurora. D'accord. Donc, je crois que ça me donnait quelque chose. Va savoir. Terminal de données. Téléchargement de données. J'ai aucune idée ce que ça fait. Attends, comme... Comment je fais pour... Que... Ben, je dois pas... Mais merde! Attends, what the fuck? Je dois passer! Comment je fais pour passer? Attends, il faut que je fasse du parcours maintenant dans Somnotica, c'est quoi?
Ben c'est exactement ça. Bon, ils nous ont mis une map de parcours. Bordel! J'aurais dû amener une lampe torche. J'aurais dû amener... Il y a des piles. Il y a des piles partout. Oh non. T'es pas fucking sérieux, motherfucker. Est-ce que je peux rentrer un mot de passe? Oh, je peux rentrer un mot de passe. D'accord. Donc j'espère que la porte va fonctionner parce que j'ai pas de cutter laser. Bordel, please. La dernière fois, on n'avait pas de besoin. Ça doit être dans les logs. Ha ha! On a déverrouillé la porte! Et comment j'ai fait, vous allez me dire? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bordel, mais c'est un entrepôt! J'ai utilisé Google. Voilà. C'est... Je sais, vous allez me dire que c'est de la triche, mais j'ai clairement pas envie de refaire un épisode complet à essayer de fabriquer une putain de soudeuse juste pour venir ici pour ouvrir la porte quand j'avais la possibilité d'ouvrir la porte. Le code, c'était 1454. Voilà! Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Un bloc de nutriments! Mais c'est génial! Justement, je vais devoir boire, ça fait plaisir, on a tellement trouvé de gourdes d'eau, c'est vraiment génial. Est-ce que je peux scanner ce petit véhicule ici et me déplacer avec? Bien sûr que non! Ça ne servirait absolument à rien sous l'eau, bordel. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est tellement grand, c'est incroyable! On n'a rien, je veux dire, il n'y a pas de technologie quelconque que je peux scanner qui pourrait m'être utile, à part des blocs comme ça, avec de l'eau. Pas quelque chose de mieux. Hein? Je veux dire, j'ai déverrouillé cette porte qui m'amène à un endroit de cargaison, mais avec rien d'utile ou d'intéressant à scanner. Bon, vous allez me dire, de toute façon, c'est... Wow, putain de merde. C'est probablement ici qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant. Donc, on va descendre ici dans ces sous-sols en évitant de se faire brûler. Bon, voilà, je me suis fait brûler quand même. Attends, what the fuck? Attends. Ok, il y a de l'eau ici. C'est fou comment je vois rien! Merde! J'aurais dû avoir une lampe torche. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Il n'y a pas grand-chose. Encore un coffre avec une gourde d'eau. Oh mon dieu, je suis surpris de ce cadeau. Ah! Encore ici. Attention! Un bloc de nutriments. Bah ça, ça fait quand même plaisir parce que ça nourrit, mais tellement! C'est incroyable! Ça ici, c'est détruit, fil endommagé, donc... Attends. Est-ce que je peux le réparer avec la soudeuse? Oh! Ah ben ça c'est intéressant! Et ça va remettre l'interface? Ah merde! Bordel! Ok, je l'ai juste... T'es sérieux, je l'ai réparé, mais... Ah ok, d'accord! Ça m'a permis d'ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est? C'est un Cimot qui est complètement détruit. Et y a rien! Y a pas quelque chose que je peux scanner là-dedans? Je sais pas, c'est... Ces armoires, c'est... À part des tables comme ça, B1, B2, y a pas... Y a rien que je peux scanner. Y a aucune technologie utile. Fragment de Cimot. J'en ai déjà un fragment de Cimot. J'en pilote un, d'ailleurs. T'avais pas mieux à m'offrir? Putain, on se croirait dans le Titanic! Quand que toutes les pièces commencent à se remplir d'eau. Ici, est-ce que je peux réparer des fils électriques? Ah non, ça prend vraiment une soudeuse! Merde! Couper à travers pour pénétrer. Merde! Aïe, aïe, ça fait putain de merde. Ok! Donc ça, ça n'a pas changé. Je vais donc pouvoir réparer tous ces cylindres. Voilà, en réparant leurs petits trous qui sont ici. Et normalement, les radiations vont cesser. Ramasser un module de rendement énergétique pour le cyclope. Hell yeah! Ça, c'est un cadeau qui pète des culs. Voilà. Maintenant, il nous reste encore... plusieurs endroits à réparer. Fuck! Fuck! Merde! Putain! Elle s'est accrochée à moi, merde! Allez, commande, il en reste juste deux! Il en reste juste une! Il en reste juste une! Allez, commande, bébé! Vas-y! Oh! Putain de salope! Décroche! Ok! C'est fait! Brèche dans nos rues principales! On l'a réparé! Alright! C'est quoi? J'aurais dû réparer ta voix en même temps parce que clairement t'as un problème avec ta voix. Oh! Ben voilà! Ça fait plaisir! On a ce qu'il faut pour pouvoir éteindre les flammes sur notre tour. Ben voilà. Maintenant les radiations vont pouvoir cesser. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Attention,
energy particle containment field restored. Auto decontamination sequence initiated. Aquatic radiation levels are estimated to return to safe levels in T-minus 3 days, 10 hours. Donc ça prend 3 jours, 10 heures pour que les radiations cessent. Bob, hein? On a quand même beaucoup... Attendez. Je m'en allais arrêter l'épisode, mais... On a un autre truc de module de l'autre côté, et peut-être qu'il contient un truc d'amélioration. Et il est bien entendu vide. Bordel de merde. Donc, c'est définitivement la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Abonne-toi pour ne rien manquer et devenir un fidèle écuyer. Tu peux regarder dans la description. Il y a un paquet d'informations. Tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site web, lesteelers.com. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye bye!